Mais en fait, il n'y a que des marches. On ne peut pas aller plus loin. On va quand même aller voir. On va aller voir, mais... Parce qu'il y a un chemin... La choupette a trouvé une carte au trésor. Une liste de courses, en fait. Pourquoi? Pour que je mette ton petit... D'accord. Ah, tiki de doulou. La bruyère continue. Après, droitement. On habite après, derrière le château. C'est ça le Kikiko là, j'ai vu. Oui, c'est ça.
même pas d'eau. On dévale la pente. Go! Faire gaffe qu'il y a de la glace. Il s'en fout, il peut travailler sans ses jambes. Moi, c'est un peu plus compliqué. Je peux travailler sans mes jambes, je peux le dire vite. Hein. Alors, careful, parce que là, c'est un peu escarpé quand même. Ah, la glace. Quoi? Ouais, j'ai une piste qui coule. Oh, des crottes de... je sais pas quoi, lapin. C'est comme dans le... comme dans le Holy Grail. Et mon petit piton. Ah non, quoi que c'est un lapin blanc, tout ce qu'il y a de plus bon. Ok. On arrive à retrouver la bagnole. Thierry, où t'as garé la bagnole? Des trucs là. La marmaille. Yeah? Say hi. No problem. Ouais, c'est moins venteux. C'est moins venteux déjà. Après
On n'est pas à l'abri des surprises. Surprise. Faut qu'on redescende par là, ouais, à gauche. On est garé en double fil, là, juste en bas de la colline, et voilà, faut qu'on se soigne un peu, quoi. Parce que parce qu'on a faim. À gauche. Oh, toi tu vas tenter un saut, toi. Elle a mis le pied dedans. Ouais, si, je t'ai vu, t'as mis le pied dedans. Vas-y, balance la cage. Pas dans l'eau, c'est possible. Non, recule-toi. T'es prête? Ouais. Fais gaffe parce que si elle dévale la pente, elle est foutue. Voilà. Ça filme toujours? Vas-y. Merde. Viandage ou pas, prenez les paris. 3, 2, 1. C'est bon, on n'a pas tombé. C'est pas drôle. On aura débarré. C'est méga enneigé. C'est le mur, hein. Hein? L'herbe est chaude. En bas là c'est le lodge. Tu es dans l'air. Ah ouais, c'est ouf. Ça c'est trop bien. C'est vrai que ça devait être top de dormir là-dedans. Posé quoi. C'est particulièrement chelou comment elle est
elle est dense et c'est humide, mais en même temps c'est chaud quoi. Enfin c'est chaud, c'est cosy quoi. Je pense que tu passes une nuit là-dedans, t'as pas froid du tout. Avec une couverture de survie. Alors à mon avis si on descend par là, ça va. La choupette a trouvé quelque chose. Nos premiers chardons écossais. Eh, les écrase pas. Les garde. L'emblème de l'Écosse. Moi je vais les écraser. Ah mais ça va les écraser aussi. Mais non, je les écrase pas, tu feras attention. Alors on est juste en train de se demander si la caverne qui est là-bas, là, c'est pas le repère d'un ours. Alors du coup on hésite un petit peu à y aller. Les mecs ils se sont vachement documentés ça, avant de venir. Est-ce qu'il y a des ours en Écosse? Quand on est un peu paumé au milieu de nulle part avec les films d'horreur qu'on des trucs comme ça, on a tous vu. Voilà. Donc réponse dans moins de 2 minutes, est-ce qu'il y a des ours en Écosse? Pas assez froid. Pas assez froid pour qu'il y ait des ours. Ouais mais c'est pas les mêmes ours. Il n'y a pas des ours mais il y a des connards qui mettent leur bouteille en plastique. Ça va être chaud de monter. Hein. Dans la caverne. Mais non. C'est juste un putain de four à pain en fait. Mmh. Tiens ça. Elle marche ? Oui. Ouais, ouais. C'est une toute petite caverne en fait. Oh, il y a des... des plantes vertes. Merde, des fougères, etc. Moi aussi, je veux voir, en dedans. Une toute petite caverne, putain, ça glisse. Je vais pas rester là des masses parce que ça glisse. Il y a déjà des gens qui ont squatté, qui ont laissé un espèce de short de bain. Super. Connard. Forme de débile. Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Scottish cows.